Un peu. Ouais, sauf que ça vit encore. C'est ça. Ingénieur uniquement. Bon bah je t'attends. Bonne chance. Journal perso, docteur Earl Cerno. Le projet Nexus est vraiment incroyable. Nouvelle tenue disponible à l'essayage. Tenue d'archéologue. Okay. Nous apprenons tant sur la façon dont les nécromorphes communiquent. Semble connecté par un signal télépathique. De la fourmi travailleuse au plus grand spécimen. Ah, puis je suppose que pour aller dans la suite, t'es obligé d'avoir la tenue d'archéologue équipée. Je pense pas. Je pense pas, c'est juste que ça te la débloque en fait. Ok. Moi je les trouve pas ouf, je préférais les tenues du premier. Bah quand tu... Je crois que quand tu finis le jeu, tu débloques pas mal de trucs. Genre t'as la tenue du premier à débloquer. Jaune canari. Je vais passer inaperçu. Magnifique. Arrête, du coup, toi, t'as les yeux en fait. Ouais, c'est tu. Moi, non. Moi, j'ai les traits à la place. Normal, tu mérites pas. Putain, je vais repasser à mes anciennes tenues. J'ai bien mis la nouvelle. Je suis même pas sûr. Bon, c'est pas grave. Je suis même pas sûr si j'ai mis la nouvelle au final. Oh, c'est pas la nouvelle que t'as mis là. Je pense pas, hein. Là t'as, la rouge normale, enfin la jaune là. Ouais, moi j'ai la jaune canari, toi t'as la dégueulasse. C'est sale. Dis le mec en jaune canari quoi. Attends, ouais c'est la classe ça. Ça veut dire que je fais de l'e-sport ça. Comme les voitures, oui. Les voitures avec les liserés jaunes. C'est des voitures sport. Avant ou arrière? Quoi? Ça va s'ouvrir. Où? Derrière. Là. Quoi? Ah! Cadeau! Bestiole! Bestiole! Ça va, tu les one shot. Putain, comme elle m'a... Ah, j'ai trouvé l'endroit pour mettre le robot. C'est en dessous, c'est au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Tu l'attrapes? La batterie? Quoi? Si je te balance la batterie, tu l'attrapes? Ouais, 2 secondes, je suis occupé. Oh le mec, genre. Vas-y. Ah bah dommage, elle est partie hors map. Quoi? Je dois en avoir une autre qui a du pop. Ouais. Ça arrive. T'es sûr que c'est là qu'il faut que je la mette? Terminé. Mais tu l'as dans les mains? Bah oui. Ah bah ça va alors. Enfin je sais pas s'il fallait que je te l'envoie non, mais... Ah non, faut que je rentre peut-être un... Attends. Là du coup j'ai une... Viens de trouver le générateur. Bon, j'ai plus qu'à y accéder. Ah, je vois le truc. Tu peux pas rentrer, toi? Non. Regarde, ils arrivent derrière toi! C'est le gros bâtard!
trop gros. Ah, il y avait un truc là à poser. Je suis trop fat. Ouais. Mais c'est à l'extérieur. Faut que tu peux reprendre la batterie ou tu l'as laissée en haut? Oui, 2 secondes. Non, 2 secondes. Ok. Je loot d'abord. Ça marche. Oh, la porte. Ah, oh, d'accord. Ah, bah ben, oui. Hop, t'avais oublié ça. Du coup, on fait quoi? Comme ça, on se casse? Non, faut remonter. Attends, j'ai pas fouillé moi. Je m'en fous, je me casse. Déjà, fallait mettre en route le bordel, ça peut aider. Ellie! Où es-tu? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ah, en train de combattre. Oups. Bah ouais, j'ai lancé la machine, quoi. Ça marche. J'arrive. Norton n'est même pas beaucoup pour plus qu'un raison. Mais vous avez besoin de moi. Faut le désinstaller, putain. Ça et... En fait, Félix, toi et moi, c'est Isaac. Ah. Bien. Ah, bah, c'est retapé. Bravo. J'espère que je ne dérange pas. Ah, il appelle seulement pour me parler de la chaufferie. Il vient de terminer. T'sais, Isaac, on voit plus c'est tard. Tellement hors de propos. Genre, je sais pas, ils sont... Il y a des monstres. Oui, ils risquent la vie, leur vie. Ils risquent leur vie toutes les 5 minutes, tu sais. Mais prenez-vous la tête pour une femme, c'est bien. Il fait un peu chaud maintenant. Mmh, ouais. Par contre, donne-moi une minute, faut que je AFK. Tu peux t'amuser avec la tenue si tu veux. J'arrive, je reviens. Le projet Nexus est vraiment incroyable. Es-tu là, Dieu? Dieu! Suis-moi, mon enfant. Le circuit thermique est alimenté, oui, père. Mais le spécimen ne dégèle pas. Le mécanisme est bloqué? Ouais, c'est à cause du gifle. Je dois pouvoir arranger ça en réglant la pression dans les tuyaux. J'y vais. Amuse-toi. Je te regarde faire. Un peu de 2. Un peu de 1. Un peu de 4. Bien, bien, bien. Un peu de 3. Parfait. Toute la puissance demandée. Faut rester maintenant. Ouais. Ouais, tu vois, tu pourrais m'aider, ce serait plus rapide. Il est presque. Oh la vache. Ça aurait bien le réchauffer. Ouais. Oui, la température augmente à l'intérieur. Viens tomber, j'ai encore... Ah oui, on va pouvoir ça aller bouge. Dedans. Montez à la salle d'observation. Je vous dirai en route. Les nécromorphes transmettent les signaux des monolithes. Donc, les
chercheurs ont développé un détecteur de signaux afin de trouver la machine. Où est ce détecteur? Il doit être détruit. Mais j'ai trouvé des schémas pour en fabriquer un autre. Je devine la suite. Je suis fou. Cool. Okay. Jamais ça. Désolé. Désolé, père. Bon, on va s'amuser. Non, je vais faire un truc parce que... Quoi ? Le son est tellement fort que des fois, en fait, quand il y a des trucs comme ça, je n'entends absolument plus rien. Genre, même toi, je t'entends pas parler. Je sais que tu parles, mais je comprends pas ce que tu dis. Ouais, je gueule, en fait. Les gogoles sont de sortie. Oui, bon, c'est bon. C'est rien passé. Par ici. Ah, il y a la future morte. Voici le schéma technique dont je parlais. Je vois aucune pièce nécessaire à la fabrication, mais il y a un entrepôt scientifique de l'autre côté. Voilà un schéma. Qu'en dites-vous? Ils ont modifié un pic de télémesure. Je sais pas comment ça fonctionne, mais oui. Je peux en faire un avec les bonnes pièces. Où est l'entrepôt? Les coordonnées sont sur vos rigs. Il y a des chances pour que l'entrepôt soit verrouillé. Tenez. J'ai trouvé ces mots de passe à notre arrivée. On est entrés grâce à eux. Peut-être qu'ils ouvrent d'autres bâtiments. Ouais, on verra. J'y vais. C'est quoi ce sourire, là? J'espère. Moi je dis que ça. Tu veux mon zizi? Voilà, c'est ouais. Ça. Tu veux mon zizi? Bien. Ouais, faut aller le construire le truc. Zizi, mais. Eux ils respirent. Quoi? Quoi? C'est joli, hein. Ouais. Bon, allez, si on allait dans l'entrepôt maintenant. Ouais, faut qu'on soit le truc. Salut qui va. Ça se passe bien sur Survive? Non, ça j'en sais rien. Que fais-tu? Je sais pas, je me dis peut-être que... Que fais-tu? Non. Grand fou, grand malheureux. Voilà, donc c'est bien ce que je dis. T'aurais pu nous envoyer ça par SMS. Oui, oui, oui. Avec toute la technologie, je suis sûr que... Ok, petit génie, j'ai une question. Disons que cette expérience marche et que nous trouvons la machine. Vous savez comment vous y prendre pour l'arrêter? Eh bien, l'amiral Graves a parlé d'un codex. Ce serait la clé pour contrôler la machine. Oui, j'ai réussi à décrypter plusieurs messages du docteur Serrano. Et il mentionne une certaine Rosetta qui serait capable de forger cette clé. Non mais vous vous entendez, Rosetta. Vous n'en savez pas plus que moi sur tout ce merdier. Si je trouve de quoi fabriquer un capteur, nous pourrons trouver la machine et en apprendre plus sur ce codex. Je peux pas le croire. Qu'est-ce qu'il faut faire là en fait? Je suis perdu. Garde fou, dégâts renforcés. Support médical, revêtement stasique, cool. Qui va, il est sur le chat, c'est trop bien. Oui. Il montre son zizi à toutes les femmes. On regarde pas le même chat alors. Ah, pardon. Il fait l'hélicobite. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Rassembler les composantes de la sonde, ok, ça marche. Anal. Oui, anal. On va sonder les... Tu l'aimes pas celui-là, hein? Bah écoute, il me regarde bizarrement. Donc effectivement, je l'aime pas. Ouais.
Pas de foutre de ma gueule, hein, mais t'étais pareil. Hein. Cool. Intéressant. Je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas. La Macarena. Non mais ce qui est bien c'est que tu vois on peut même pas les désosser ceux-là. Non. Mais il lâche des jeux. Il lâche des objets quand même. Oui oui. C'est fait exprès. Ah merde, attends, j'ai un truc que j'ai pas fait, je crois. Je vois ce... Oh le mec, il voit un établi, faut qu'il s'arrête quoi. Allez. On sait jamais des fois que j'ai récupéré une nouvelle clé du plateau, clé d'une cherche. Du site de fouille. Ah, okay. C'est quoi ça? C'est l'arme. Ah oui, c'est une mitraillette. Okay. Oula, ETP. Je suis passé devant toi en glissant. Ah ah. Hey, est-ce que tout va bien? J'ai vu. Il y a quelqu'un? Oui, d'accord, c'est toi qui deviens fou maintenant. Il y avait une femme? Oui, oui, je pense qu'il a vu sa femme surtout. Enfin, moi j'ai vu un truc qui brille surtout. Moi ça. Voilà. Mission en coop. Oui, il y avait une femme. Attends, c'est là-bas ou là? Non, là-bas. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Pum 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 pum. Vous êtes sûr d'avoir vu quelqu'un? Oui. Elle est forcément passée par là. C'était pas ma question. Ah. Oui, quoi? Tu étais encore en train de faire mumuse avec le cadavre. Ça fait beaucoup. Bah, c'est peut-être là où tu voulais aller tout à l'heure. On veut pas. Je pense, ouais. Ah, elle est là. Non, je vois pas. Si, si. Ouvre tes yeux. Je te dis, je vois rien. Si, si, ouvre tes yeux. Elle vient de passer là. Tais-toi donc. Putain, c'est la folie, ça. Tu vois rien, elle est là. C'est ta folie. Tu es juste fou. Non, je l'ai vu. En tout cas, je peux pas avancer. Pourquoi on peut pas y aller? Si, on peut y aller. Oh oui. Oh, elle est là, je l'ai vue. Je l'ai vue. Elle était un peu ensanglantée, mais elle était là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'en sais rien. On est là à cause de vous. Ouais. Je vais jeter un coup d'œil. Fais donc ça. Vous venez? Non. Ouais, ok. Bah non. Je dis non. C'est des merdes. Une traite de connard depuis le début que je... Voilà, ah, maintenant c'est lui qui psychote comme un connard. Ah, c'est moi qui pilote, oh oui. Alors, où est-ce qu'on va? Oh mon dieu. Armurerie. Mission comme exploit entrepôt. Et mon dieu. Ah non, faut pas y aller en fait. Pourquoi? Non, c'est pour partir. Ok. Comir. Tu veux pas y aller? Par là. En plus, la femme a commencé à enlever ses vêtements, faut y aller. Vite. Vite. Peggy Hayton. Oh, yeah. Oh, pourquoi l'ascenseur il s'arrête? Je sais pas, moi, bon, l'ascenseur il continue. Non, non. Oh, non, il continue. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des images bizarres. Oui, oui. Qu'est-ce que je dis, c'est toi? Ah, l'ascenseur continue de descendre. Non, non. Il y a des trucs. On voit que ce qu'on veut, John. Il y a une femme qui me parle. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va bien se passer, Bobby. J'ai vécu la même chose dans le 2. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je suis encore en vie. Ah, il y a encore un jouet là. Le
ça, ouais, tu vois vraiment des trucs bizarres. Il y a un jouet. Je dis un soldat. Et il y a des guirlandes aussi. Oui, oui, c'est ça, oui. Et on lui dira. Mais je suis pas fou. Je les vois. Ouais, ouais, c'est ça. Regarde, il y a des chapeaux de... Ah putain. Ah non. Voilà. Ah oh, mais j'en ai marre là, que les petites merdes qui me sautent dessus. Ouais, elles sont chiantes. J'ai pas le temps de viser et de tirer en fait, ils me sont déjà en train de m'arracher mon casque. Alors regarde, il y a des cadeaux de Noël. Ouais, c'est ce qu'on veut dire. Et tu peux, il y a même des chapeaux, tu sais, que tu mets en carton là, de fête. Ouais, tu veux, j'ai un beau chapeau en aluminium pour toi. Mais il y en a plein partout, il y a des cadeaux aussi, regarde. Viens, on avance. Je suis pas fou. Regarde, il y a un camion de pompiers. Y'a un avion. Oh là. Oh là. Oh bordel. Ah, c'est sympa. Il y a une putain de fête ici. Ça tue. Chambre de consommation personnelle autorisée. Mais tu me crois? Absolument pas. Pourquoi tu m'as fait du mal? Dylan. Ah. Dylan. Ah, y a mon fils qui me parle. Y a Dylan. Dylan me parle. Dylan. Dylan. Oh mon dieu. Laisse Dylan est mort. Non, non, il me parle. Je suis pas fou. Qui shootait de ma gueule au début? Il y a encore des guirlandes. Bas, je crois. Ouais, mais en fait il vient d'en haut. Ouais. Il vient d'en haut, mais en fait il est redescendu, il est ressauté, je sais pas, il était tout bizarre. Oh putain. Salope. Il y a trop de bench. Salut. John. Salut. Tu disais que t'en avais pour 3 heures. Ça fait 3 jours. John. Mais c'est un enregistrement de Carver. Il en a chaque nuit. Comme à chaque fois que tu combats. T'entends quoi, toi? T'entends quoi à la place dans l'enregistrement? Chut, attends. Non, c'était cool. L'évaluation psychiatrique d'un certain John. Alors, t'as des trucs à me dire? Tout va bien. Tout va bien. Bah oui, non, regarde, j'ai entendu le truc de John et sa femme qui parlent, son fils est au lit. Tu vois le jouet? Non, du tout. Mais si. Ah, c'est pour moi, c'est un bidon. Mais non. Bah si, je t'assure, c'est un bidon. Regarde, happy birthday. Regarde, il y a un cadeau géant. Non. Ça tue? Là aussi? Ah! Ah! Ils sont
un peu résistants eux par contre. Alors, c'est un petit peu les trucs balades, les trucs balèzes de fun game quoi. Ouais. Des trucs un peu speed en plus. Y'a tout plein de cadeaux partout, ça tue. Chut, je suis calme. Mais si, je t'assure. Oui, on se calme. Tu m'assures. Oh putain. Si, y'a des cadeaux partout. Oh putain, regarde ça. Ah, y'a un robot. Oh, ça tue. Calmez-vous, monsieur. On se concentre sur la mission. Il y a encore plein de trucs de guirlandes et de bestioles. Viens ici, petit, viens ici. Putain. Là c'est quand même plus comment dire jovial. Parce que moi il y a des guirlandes et des cadeaux, tu vois. C'est moche la folie. Je suis pas fou. Oui? Non? Okay. Non mais déjà quand on a un truc et voilà. Qu'est-ce que t'as fait? C'est par où? C'est par là-bas. Derrière, y a plein de cadeaux. C'est énorme. Ah, y a Papa Noël. Ça veut dire qu'on retourne en arrière, quoi. Je sais pas ce qu'on est en train de faire, mais... C'est une séquence qu'on a déjà faite ici. On est déjà passé ici. Non. Si, dans l'histoire, on est déjà passé par là. Non. C'est rien. C'est juste qu'il a eu peur la dernière fois. Oh mon dieu. Derrière toi. Je pars. Hein? Isaac. Continue, John. La fête ne fait que commencer. Il y a ma femme qui me parle. Je vais bien. Rejoins-moi. Je vais bien. Tout va bien. C'est magnifique. Je vais te présenter ma femme. Je pense que tu vas l'aimer. Morte. Non. Qu'elle est morte. Non, elle me parle. Elle est morte. Non. Tu me l'as dit au tout début. Non. Regarde, y a les jouets qui sont au garde à vous. Ok. Ah bah moi aussi. Coup de pied. Ah. Ah putain de salope. Il est pas mort. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. C'était rien du tout. Mais crois-moi, c'était rien, tout va très bien. Mais c'était rien de quoi? T'inquiète pas, d'accord? Hey. Il a trompé sa femme? Ça va, tout va bien. Tout va bien, j'étais avec une autre, c'est pas grave.
Ah, on dirait c'est toi qui parle, quoi. Alors, commence. Quand tu entendras ça, je serai... Tout ira mieux quand je serai parti. Je peux pas t'apporter ce dont tu rêves. J'ai été le pire des pères pour Dylan. Non, faut pas que j'écoute ça. Non. Je pourrais avoir la vie que vous m'avez. Je continue. Ah ouais d'accord, il faisait sa lettre de suicide, donc t'étais prêt à te suicider. Ah. Voilà. Tu croyais que tu devais sortir avec Dylan. Tu allais te suicider. Je crois qu'il devait partir en fait, enfin les quitter. Non, tu devais te suicider. Ah bon bah suicide alors. Donc meurs, et puis Attends, j'entends des bruits bizarres. Oui moi aussi. Ok. Ah tu vois que je suis pas fou. Ouais, enfin c'est pas de l'ombre, c'est pas une femme quoi. C'est une femme qui gémit. Peut-être pas. Je descends. Oh mon dieu, c'est quoi ça en bas? Je viens de voir un truc. Oui, c'est là. Genre on peut pas les tuer, d'accord. Ah si. Ok, ça commence à me gaver. Ok, ça me saoule. Et putain! Hop! Ok, ça m'a saoulé là, la scie. Oh la vache! Non, je suis en train de tirer dessus, bah putain de merde. Et pourtant, moi, je mâchais le bouton, ça s'en bat les couilles, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que le jeu, il s'en fout, en fait. Des fois, ouais. Des fois, en gros, il dit, non, tu vas te faire foutre, je te tue. En gros. Ah, ça gémit, Ah oui. Il a pris un petit déchire, ça lui fait du bien. Tout va bien. Oh bordel de merde. D'accord. Du coup je monte, là j'arrive. Ah. Il est où? Il est monté, je crois qu'il est dans la canalisation. Oh merde, non, pas l'échelle. Ok. Tout va bien. Je ne suis pas fou. Juste sur les bords. Je monte. Ça serait con que je te bloque l'échelle et que tu restes en bas quand même. Ah oui d'accord non, ok, en fait ils nous gênent dans la respiration. Oui ça fait du. Ça crée du gaz. Ouais tu peux pas les buter. Ouais c'est bizarre. Eh mais c'est pas un peu grand quand même cet endroit là? J'ai une impression de tourner en rond mais apparemment non. Ça rend un peu fou. J'ai l'impression. Un peu plus que je le suis déjà. Oh putain, on est où là? Oh, ça va ressortir de tous les côtés. Ah, on a une salle. Yes. Oh, tu vois, c'est une salle qu'on avait déjà ouverte. Oh putain, je comprends. Avec plus. Le mana qui était là et que j'avais éclaté. Ah oui, parce qu'il avait bougé. Et ouais, évidemment. Non, c'est... C'est la matrice qui déconne. Tout va bien. Tout va bien. Ah, qu'est-ce qu'on va créer aujourd'hui ?
Faisons un javelot en pâleur. Merde. Putain. Fais chier. Pour une découpe, tire une lame en suspension. Non, pas suspension. Et la femme m'a répondu. Je suis pas fou. Ouais, c'est un peu bizarre l'arme que j'ai créée, mais on va se débrouiller. Tu vas rencontrer ma femme. Tiens-toi bien. Hein. Regarde, ah, regarde, il y a un gâteau. Ça tue ? T'as vu ? Bon là c'est là où on s'était fait gang bang la dernière fois. Non, il y a un gâteau d'anniversaire, regarde. Oui, oui, oui. Avec des bonhommes, là, des soldats. Des ça jouets. Va bien se passer. Mais c'est vrai. Mais tu vois pas que c'est pas la même salle, parce que regarde, c'est pas sur ce côté. Ah mais je suis pas équipé là. Oh la vache. Oh merde, ça m'a tombé dessus. Il y a un truc derrière moi, ok. C'est de la merde ce truc. Oh la vache. C'est... Ah, je sais pas comment je me suis débrouillé avec cette arme. Mais bon, c'est marrant. Ouais. Garde une boîte. Bon, mais concrètement, cette zone, c'est... Comme tout à l'heure, c'est du recyclage, il bouge un tout petit peu quelques éléments de décor, mais c'est du recyclage. Hein. Non, non, non. Ah si. Non, non, non. Ah, t'es si. De mauvaise foi. C'est du recyclage, monsieur. Regarde, on a une truc de compact de Waller. Et le vernis flamboyant, ah oui. Qu'est-ce qui se passe encore? Ce sera pas le sang de ta femme ici? Oui, c'est le moment. C'est la mauvaise période du mois en fait. Tout s'explique. Ah putain. Objectif atteint. Regarde, j'ai trouvé ton fils. Oui, donne-lui une correction. J'aime bien comme il recharge. Jack, il décide de démarrer. Oui, ouais, c'est ça. Dégâts renforcés. Y'a pas de feu. Rechargement. Bah merde. Ah, c'est là.
T'es le mec, il fatigue. Ouais, ouais, je pense que pas tarder là. Ça marche. Ouais, on teste. On a créé une nouvelle arme. Oh merde, le con. Oh la vache. Ok. Partenaire attend à l'ascenseur. Ça va, oh. Le mec. Bon, je suis là. Fou. Bon. Bah du coup on n'a pas rencontré ma femme. Est-ce que t'es déçu? Un peu, parce que je voulais que tu la rencontres, parce qu'elle est sympa. Apparemment t'as quand même essayé de te suicider, hein. Là. Il doit y avoir des trucs là parce que j'arrive pas à passer. Moi. L'odeur de la chair pourrie est-elle toujours aussi forte? J'aime bien cette arme. C'est épique à répétition, elle est plutôt sympa le bruit et tout ça. Cool. J'aime bien. Ah, on peut mettre les deux, eux. Ah ouais, non, on peut mettre les deux au même endroit. Ouais, bah c'est pour ça, je te posais la question tout à l'heure. Ouais, bon, hein. Quand j'en avais jamais deux, je pouvais pas essayer. Ah ouais, par contre, il faut... Pas exactement même. Pas exact, endroit. Ouais. Voilà, mais sinon, ça marche cool. C'est pas... Moi, ça fait un moment, du coup, que j'ai pas pu les envoyer, parce que si je les envoie maintenant et qu'on trouve un truc intéressant... Ouais, moi aussi, mais j'avais les deux pendant un moment. Ouais, des fois, faut attendre un peu. Ah non, il y a du bruit. Je crois que tu vas rencontrer mon fils. Viens rencontrer mon fils, viens t'amuser avec mon fils. C'est un petit qui est très impressionnable, donc fais attention. Mais il est bien, un gentil garçon. Ok. Un gentil garçon. T'inquiète, mon fusil est prêt à le recevoir. Ok. Il aime les couteaux. Il aime les lance-flammes. Oh putain, qu'est-ce qui se passe encore? Ça fait 5 minutes qu'on poire ici. Bon, passe le point au pain de fin ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'il vaut mieux oublier, pas vrai? Il y a des choses bizarres là dans l'ascenseur. C'est bon, c'est parti. Tout va bien. Tout va bien. Tout est beau. Tu veux qu'on aille là? Non, 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 parce que, tu vois, tu m'as dit que c'était des trucs qu'il fallait pas y aller pour l'instant. Bah, c'est pour changer de zone et on peut pas pour le moment, je crois. Ouais. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Non, 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 continue, on finit le jeu. Non, non, c'est bon. Il reste encore 5 minutes de jeu, c'est bon.
Et dans 5 minutes, il en reste encore 5 minutes, c'est ça? Ouais. C'est... Ah, mais comment tu sais? Ah putain, c'est... tu fais toujours un mémuse avec ce cadavre. Ah, réflexe, Dead Space. Je suis toujours Dead Space. Je vois le quoi, c'est un réflexe, ça restera jusqu'à la fin. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, on a qu'à aller où est ce qu'il faut et on arrête, si tu veux. Genre là, après là. Hop là. Mon dieu, j'ai touché un truc, j'ai du mal. Ah que... L'homme fou. Ah. J'ai le tournis maintenant. IRL. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a, t'as encore vu ta femme? Non, regarde les traces. Quoi? Mais là, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, il va faire froid encore. Ah, dans la neige. Là, il y a Chris. Ça va, monsieur? Monsieur, répondez-moi. Attendez, je vous fais un massage cardiaque. Ça lui a coupé la jambe. Ou alors, ça lui a coupé le souffle. Il y a quoi de ce côté? Ah, on peut balancer un robot. Un corps? Ouais, je pense que c'était un corps. Putain, on voit rien. Ouais, je suis... Putain, on dirait la cendre. Ah. Merde ça. Y a rien. Non, c'est juste pour remettre le charognard, oui. Je pense. Ah, oh, mon personnage doit reprendre son souffle. Bah, tu me dis quand tu veux t'arrêter. Oh merde. Bon, on s'arrête. Salut vous, ça faisait longtemps. Te calme Bobby là. Oh bordel, mais je les mets tout à côté là. Ah ok. C'est quoi ces connards? C'est, tu sais, c'est les machins qui chargent normalement. Oui, ils te regardent et après ils te chargent et te one shot. En plus, ils sont résistants. J'arrive. Ouais, ça marche plus. Il a l'air un peu avec le pompe là. Ça les stoppe pas le pompe? Ah ouais, en fait, je le coupe une patte et après je galère pour le finir au sol. Ah. Ça doit avoir énormément de PV au niveau du torse. Je pense. Et le problème, c'est que j'arrive pas du coup à le démanteler parce qu'il avance vite. Même au sol, il avance super vite. Ouais, faut du stase. Ouais. J'ai juste. Ouais, voilà. Putain. Ouais, surpris. Ouais, moi aussi. Je crois que je suis pas le seul, hein, au vu de ton petit. Oui, ton petit moi aussi. Ah, parce que j'étais en train de mitrailler celui-là qui était au sol et après je retourne, je vois un grand truc à côté de toi. Je trouvais un monolithe. Je trouvais un mini monolithe. On va pouvoir se transformer en nécromorphe. Oh, s'il y a que ça qui te plaît, t'as juste à attendre qu'il te tue, hein. Ah oui. C'est qu'en dépit de toutes nos précautions, la quarantaine est la seule solution. Nous devons recourir au sacrifice ultime pour le bien des colonies fourrées que nous avons juré de protéger. Nous savons que ça tous ne seront pas d'accord avec cet ordre. Par conséquent, trois régiments de soldats se chargeront d'appliquer militairement cette situation de quarantaine. L'un désactivera tous les véhicules. On va voir plein de trucs là. Un autre traitera le personnel.
qu'on a eu. Il y a une salle avec des ressources. Hein. Groupe considérera sa mission accomplie et procédera au suicide. Que Dieu bénisse les colonies. Dieu bénisse l'Amérique. D'accord, je peux pas rentrer. Ici. Si. Bah écoute. La porte elle est fermée. C'est bon là. Ah, oh, tu l'avais pas ouverte, ça, si, quand t'es passé. Non, mais la porte, après, il faut la fermer, la, il faut l'ouvrir, la porte. Tu la déverrouilles, mais après, il faut la faire tourner pour la porte. Trois régiments de soldats se chargeront d'appliquer militairement cette situation de quarantaine. L'un désactivera tous les véhicules. Attends. À cette époque-là, ils utilisent encore les bornes magnétiques ? Ils foutent de la gueule de qui ? C'est vrai, ouais. S'il faut, c'est juste pour faire beau, y a pas de bornes, en fait. Enfin, vu la qualité, oui. C'est vrai que c'est bizarre. Que Dieu bénisse les colonies et qu'il ait pitié de notre âme. C'est vrai que j'ai jamais fait attention parce que bon, c'est... Ouais, ça va, c'est stylé quoi, mais. Ah, repompe du 1. Tu vas avoir plein de couvreurs non. En fait. Mais non. On dirait des vélociraptors les trucs. On va arrêter là. J'ai entendu les trucs qui courent, j'ai dit, ah, ils vont pas sur moi. Je savais que j'allais mourir, c'était pour...